dans le sud pays. Et à côté de ça, toujours dans le sud, il y a un niveau les Iwa. Hein, et il y a un ministre central qui a préparé, qui peut alimenter. Les Iwa et très bientôt, selon ça, l'autorité a annoncé, Central Salt a doué en marche et pour permettre à la famille les Iwa de gagner courant 24 sur 24, vraiment c'est quelques parmi travail, caravane changement, il est réalisé de leur lancer à jeudi à dans le grand sud pays. Alors, messieurs, il y a plus de monde qui croit, et par rapport à tout objectif ça, que le président s'est annoncé là, Santiago qui arrive inauguré dans le Capérin. Je crois que c'est des projets vraiment très ambitieux. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que l'État a suffisamment rien pour répondre avec tout défi ça y est, Lionel Edouard? Alors, juste avant que Guy Demeone ait parlé de ça, il y a qui est fondamental. La réussite de la caravane dans le Sud est presque vitale pour le président de la République. Là, les nous songer et qui gens le Sud participer de manière très active dans l'avènement de Jovenel Moïse et même de Michel Martelly, qui était prédécesseur lui, et à Sandra et la magistrature suprême de l'État. Mais il y a des inquiétudes en caravane dans les mêmes lieux aller dans le Sud parce que l'Artibonite, besoin de l'Artibonite, n'est pas même besoin de ça dans le Sud. Et le discours du président lors du lancement de la caravane dans le Sud, je pense que quelque part, il était très rassurant. Il était montré que le président était compris un enjeu dans le Sud et il était connu qui gère tout pour arriver sur la population hein, par rapport avec besoin pour lui permettre que, plus ou moins, non seulement dans la logique sanitaire, les gestion des eaux de surface et bétonnage et asphaltage de rue et réhabilitation de l'environnement, relance de l'économie, et bien, il était compris la nécessité pour lui aller dans le chemin ça. Et non, vers même type d'intervention qui était faite dans l'Artibonite, et ça, quelque part, nous sommes capables de voir, même dans le Capérin, et gagner plus ou moins satisfaction, bien que de l'autre côté, toujours, il y a frustration, mais quand même, et malgré ça, tout le monde est capable de dire, il y a des avancées assez considérables qui sont faites, et non seulement pour réhabiliter l'environnement avec Saint-Germain placement qui est fait dans le Capérin, mais tout bétonnage et route principale embarquant, parce que nous connaissons le Capérin. C'est on ville carrément mon côté vont en haut ou en bas et mon en haut bon gens loin mon en bas et mon en bas bon gens considérer tête mi tout par rapport avec mon en haut et penser que quelque part et c'est pour le bien de la caravane tout que le rivet comprenne besoin justement mon ensuite et réagit en fonction des besoins ça. En plus le projecteur mettait sous sud pendant les derniers jours ça et Jean-Aucane Spéroni avec présence caravane. Certainement le sud en fait le grand sud mais particulièrement le sud en tant que département et nous avons gardé dans la semaine ça et dans le Capérin, Lionel pas suspendre mentionner ça. Et satisfaction ou senti qui est visible sur le visage de nous. Et je pense que le genre de réalisation ça, il a gagné pour vertu tout et favoriser ce qu'on appelle la cohésion au niveau de société ça, au niveau de communauté. Parce que l'organe en communauté, côté. On parti senti les privilégiés par rapport à l'autre là, mais ça n'a pas gagné l'autre conséquence que créer division et créer une situation de tension entre deux branches de la même communauté. Lorsqu'il y a un genre de réalisation, ça y est, il vient pour créer cohésion, mais il crée harmonie et vivre ensemble en dans la communauté. Yo, et je pense que ce n'est que justice. Donc, le gain genre de action qu'on s'est posé et dans le pouvoir. C'est une très bonne chose et ça bat tout espoir à l'autre communauté qui est dans le pays qui sentit que la réalité à n'importe quel moment a changé tout. Donc, nous tous qui là connaissons que son pays, côté tout est prioritaire, besoin est tellement énorme. Donc, si ça passe dans le Capérin, citoyen qui fait à cheval là, citoyen qui bombarde la police là, il connaît que à n'importe quel moment tout, la réalité que la vie aujourd'hui est capable de changer. Donc, caravane, et j'aimerais exprimer compréhension solide, c'est une mobilisation de structure de l'État au service de citoyens. Donc, mobilisation, ça, je pense que les gains pour effet provoquer et espoir, la caille citoyen, c'est très bien. Alors, juste avant. Quelques secondes. Hein? Justement. Moi, je pense que Jovenel Moïse a gagné pour mission pour être construit et entretenir l'espoir. Dans le sud et justement à travers œuvre caravane et n'abgé pour nous à la fin les abgé pour démobiliser pour nous garder effectivement est-ce que l'espoir ça a construit et est-ce que les tout entretenu permettent que nous comprenions que
La vie pas de finir avec Mathieu, il y a possibilité toujours pour réaliser de grands bagages et l'État pas oublié. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, tout le monde, quel soit côté de la vie dans le pays, pour connaître que l'État pas oublié. Vous dites la vie pas finie, revue à tout pour finir, puisque nous sommes dans le mois de juillet, qu'on est dans le chavirer dans le mois d'août. Mois d'août, nouvelle ça, d'après la tire, pile attention, jusqu'à présent, et, parce qu'il y a un monde qui croit que FOC et la justice dit mot pas sur question, parce que trop longtemps, nous avons dit que le commissaire gouvernement de Port-au-Prince, M. Octave Clavel-Améus, annoncé PAKEA a continué le travail pour que l'union est faite sur question ça. C'est d'après l'évocation, le ministre Affaires sociales de travail là, et M. Roosevelt, et Bellevue, par rapport à la question de surfacturation, la question qui te colle. Des ouais, tweet et président républicain a fait après et nouvelle santé tombée et primature. Nous t'es même suivi en conférence de presse que Pote Paola t'es bail et t'es dit que YAP fait tout ça au capable de gagner une enquête qui menait pour fixer les responsabilités parce que pour voir clair c'est zéro tolérance pour ça gagner ouais avec corruption. L'évocation ministre t'es dit qui ça. Comment tu vois société t'es approprié le bail ça ou bien t'es comprendre ça que t'es arrivé à Méroné Lionel. Alors ça qui est extrêmement important dans le cas et ministre Bellevue et jusqu'à présent les bénéficiaires de ça n'a les présomptions d'innocence et ça fait une claire sur lui et Livini non mauvais mouvement dans entrer l'école côté bagaille difficile pour parents yo et puis pour venir pour t'attendre et gain grosse l'argent ça yo qui a fait un couchu et surtout par rapport avec discours président tout qui dit que cette histoire de corruption en elle-même il veut finir avec dans le pays pour permettre que bien l'état et mais sa pays a gagné comme ressource mais il servir population moi je pense que peut-être qu'il y a une précipitation dans la façon que le dossier a été géré. Mais quelque part, tout bon signal qui vous y est, la population et tout le monde dans la classe politique, là, et même l'international, c'est que la corruption, comme manière d'être et de jadis, il n'y a pas envie de tolérer le pouvoir. Mais il faut passer de la parole aux actes. Ce n'est pas dit qu'on ne peut pas tolérer. Il faut que la justice, lui-même, qu'on y a, commence à réaliser de grands procès autour de la corruption pour permettre que tout le monde soit à clé que la question de corruption, justement, ce n'est pas seulement la personne du président de la République qui a gommé contre lui, mais les trois pouvoirs de l'État, ils mettent tête ensemble comme gestionnaire de l'État, justement, pour gommer contre le fléau, qui est la corruption, qui empêchait le pays ça depuis 10 d'antan. Suspicion et au sein de la société par rapport à de l'autre monde qui est en pouvoir et concernant le dossier ça. Moi-même, je voulais dire tout que la décision de mettre à l'écart le ministre des Affaires sociales, c'est un message fort. Et bien sûr qu'il doit suivre d'autres actions. Un message fort parce que le président de la République, là, il voulait incarner lui-même la lutte contre la corruption. C'est-à-dire que il ne voulait pas tolérer la corruption sous quelque soit forme dans l'administration publique là, et dans le pays là, de manière globale. Donc, mais le message ne suffit pas. Et sur ce, Lionel a raison de dire que faut qu'il y ait de l'autre action qui posait, faut enquête là aboutir. Si il y a de l'autre monde qui est impliqué, son forme ou bien l'autre, dans la question ça, faut qu'il y ait même tout, il y a subi sanction que il doit subir. Donc, et dans le moment de l'arrivée, dans le moment ouverture de l'école, et dans pile question qui a posé, est-ce que et on seul monde qui a fait corruption, certainement pas. Mais et si dossier a traîné, je pense, en dehors de message qui vous est pour dire que nous contre la corruption, mais qu'il y a des suspicions tout que ça a engendré. Et pour raison ça, je pense, le ministre a une raison de réclamer que l'enquête l'a complétée pour que la vérité aille. En 2018, on a bien toute vérité sous question ça et Méroné. On va lancer avec mois septembre 2017 et dans l'événement ça. Il n'y a pas de corruption tout à l'heure. Et dans le discours que le président a fait en septembre, il a attiré l'attention, il a pris le commentaire. C'est le discours dans l'occasion d'entrer à l'école là. Il a dit qu'il y avait 5 problèmes. Corruption, 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 corruption.
Là, c'était Vanel qui a placé officiellement année académique 2017-2018 là, dans le lycée Alexandre Pétion. Et là, chef d'État a profité à tirer l'attention sociale sur la nécessité pour que la bataille contre la corruption, l'IMENE et le FEL, et le dévoué signal par l'autre autorité dans l'État. Alors, pendant le mois de septembre 2017, là, tout, nous devons souligner, c'est après lundi, première mobilisation des forces de l'opposition. Pendant tout le temps, le président a eu ce pouvoir, il n'a pas senti vraiment et parti politique dans l'opposition dans la rue. On n'a pas attendu, on parlait trop et dans la radio. C'est vrai qu'on y a quelques conférences de presse pour attirer l'attention sur sa estimée qui n'a pas marché. Mais au fait, on dit 12-13 septembre, vraiment là, c'est après la mobilisation dans la rue. Hein, et joue ça, c'est depuis le dégât qui était enregistré pendant le mouvement de rue, en pile la formation politique dans l'opposition, Cabral. Le prétexte à ce qui s'est créé, c'était budget 2017-2018, là, qui veut co-vider d'ailleurs. Hein. Après le Sénat et chambre députée Fin Votel, M. Dame était quoi que le pacte opportun pour le budget ça rentré en application. Nous songeons tout, M. Dame chauffeur était rentré dans COSEA. Il a été demandé pour mobilisation faite le 12-13 septembre. C'était sa première mobilisation en Méoné Lionel. Il y a un monde qui dit est-ce que c'est M. Tabdomi ou t'as un prétexte pour être prêt à la rue? Et qu'est-ce qui s'est passé selon nous qui fait que c'est jusqu'en septembre à l'arrivée d'un niveau de rivière et des gars ça a été enregistré dans le pays de n'importe où presse à dans zone de ce côté. Mais la manifestation du 11 septembre, je crois, c'est la cristallisation d'un ensemble d'insatisfactions. Je ne crois pas, en tout cas, c'est ma position, je ne crois pas que c'était budget forcément en lui-même qui a provoqué la manifestation. Ça. Parce que, Pablo, dans la première manifestation ça, qui a été dans la rue Port-au-Prince, il y a plein de monde qui était réclamé de partisans de PHTK. Il y a le monde qui était certainement fait partie de l'ancienne opposition à président Martelly, qui était toujours en face et président Jovenel Moïse depuis le candidat à la présidence jusqu'à ce que Lévin prend fonction comme président, ou bien de l'autre secteur dans la société civile qui est légitimement qui a de raison pour exprimer et mécontentement ou opposition à budget. Donc c'est en conjugaison de tout ça qui était baou sort gagné comme manifestation qui était faite dans la zone métropolitaine, dans la date ça. Maintenant, au bout d'un moment, lorsque la position est radicalisée et que la question n'est pas seulement arrêtée en question budget, eh bien, il y a une démobilisation de Samreli Amalgam, ça, qui était dans la manifestation qui était faite dans le commencement du mois de septembre. Donc, le fait que l'intérêt est pour diverger, il y a le monde qui pourrait commencer à demander des départ, l'autre qui n'est pas d'accord à question départ, qui était quoi seulement, question intégrité, en affaire de budget. Donc, ça conforte moi dans la position pour croire que ce n'est pas seulement en question de budget qui est réglé dans la rue. C'est une manifestation très violente, Lionel Edouard. Effectivement, il y a plusieurs dérapages dans la manifestation, ça, mais quittez-nous du tout et pour couvrir ça, nous avons dit tout à l'heure. L'opposition, quelque part, dans toute société démocratique, c'est le baromètre du pouvoir. C'est lui-même qui dit est-ce que le pouvoir bien marché ou pas bien marché par rapport justement avec la position là bien pour le prendre en face du pouvoir et pendant toute période que le pouvoir ça a lui-même mis en place. Donc, ça qui est important, et c'est qui forme la contestation lui-même le plan. Jamais on est dit là, et budget c'était seulement un prétexte. Nous sommes des questions gazoline qui était montée, et questions inflation qui n'est pas qu'un suspens monté, et tout le changement, tout son ensemble d'éléments qui convergeaient, qui devaient bail, événement ça a été gagné dans le commencement de septembre qui se passe là. Mais ça qui est extrêmement important, et moi je vous dis ça, le mouvement c'est construit ou construit. Mouvement pas qu'à nécrité, l'aile lancée à droite, elle est sous bon. Et par rapport avec les actes de violence qui étaient gagnés dans les manifestations, nous venons rendre compte que le mouvement, tout arrive dans le sommet, et dans le moment que lancé à, ça ne fait que il pas de gagner l'autre et alternative que décroître pendant la période, et nous capables de dire, et fin d'année, jusqu'à ce que nous venions arriver là, dans la calme, place à gagner par rapport avec quelque part, dissension tout qui gagne en opposition. Et nous croyons qu'à l'avenir, il faut que monsieur comprenne tout, que yo même tout, yo travail pour décrédibiliser le mouvement que vous lancez, parce que là, moi-même, comme ce citoyen, qui peut-être
tac à un mouvement, mais par rapport à l'obligation de balade, machine à la rue au Brésil, vous comprenez que moi, je pense que c'est l'autre bagage que vous voulez régler et pas à faire budget et pas à faire gaz à motivé que vous voulez régler. Donc, il faut que l'opposition également comprenne que lui investit de la mission également de protéger les citoyens et même les citoyens qui sont en opposition à cette opposition. Mm-hmm. Et ça, c'est fondamental dans toute société démocratique. C'est dit qu'Alicia, tu es à l'aise pendant moi, ça, tout, pendant moi, septembre, avec le mouvement grève, je t'ai lancé. Bon. Le mouvement grève, tu peux le connaître, soit tu peux le connaître, hein, parce que les syndicalistes, dans un premier temps, tu chita parlé avec le pouvoir pour essayer une solution pour empêcher que tu aies une grève qui est lancée. Et même si tu as une première grève qui réussit, mais on va le voir que le mouvement va aller souffler par lui-même. Et parallèlement, nous reconnaître que le pouvoir te joue tout pour empêcher que la grève continue à réussir, parce que certainement, ça va avoir des conséquences. Et sous vie politique pays, mais à la fois sur le trésor public, parce que l'ordre de grève, ça veut dire manque à gagner pour l'État, et lui veut dire tout, manque à gagner, certainement. Donc, est-ce que c'est dommage que grève n'a pas continué à réussir? Peut-être ça fait capable de porter l'État retourner sur des décisions, mais en tout cas, c'est pour le bien global de la collectivité que tout pays a continué dans la normalité. Également que c'est une bonne chose que lorsque l'opposition et la société civile eux-mêmes doivent faire des actions pour contraindre le pouvoir, que le pouvoir lui-même réagit en fonction de l'action, ça va tout lui-même pour qu'il ait moins cadré les bagages là et permettre que le pays continue à fonctionner. D'ailleurs, c'est dynamique démocratique là, même demande ça que les forces politiques de la société a justement pour produire stabilité. Ça, c'est le jeu des contradictions aussi. Absolument. Mais ça va t'empêcher, président de l'Ukraine, de publier le budget de l'initiative de musique là, j'en ai voté dans deux branches parlement. Et j'en ai voté. Et dans le branche parlement, oui et non, avec certaines réserves, parce que vous avez un budget qui est obligé. Mais il faut que le parlement quand même entériné. Oui, entériné, mais en tout cas, pour le moment, décision ça n'est pas applicable. Alors, ça qui est extrêmement important dans la question budgétaire, qu'on dit que le président lui-même était et publié. Mais le fondamental, le président n'a pas dit pas est obligé de publier le budget. Parce que le budget, c'est quoi? C'est le président qui dit, mais qui ça m'a besoin pour implémenter ça me dit m'bral faire. Donc, si je finis de m'bral faire, ma majorité au Parlement dit, bon, d'accord avec moi, dit que la bombe ça m'a besoin comme l'âge, comme moyen, j'en vous dis, pour implémenter ça me dit m'bral faire. Donc, si vous n'y a dit pas publier le budget, premièrement, je désavoue peut-être moins, mais deuxièmement, je désavoue la majorité de tout qui accepte de voter le budget, j'aime dévouer le balia. Donc, politiquement incorrect. Entre faire le jeu de l'opposition et même de la population, d'une certaine manière, si c'est vraiment la population qui est contre le budget, et faire le jeu de sa majorité qui va le permettre que le gouverne, le président avait un choix à faire et il a fait son choix. Et l'autre bagage qui est extrêmement important, tout. Même c'est positivité ça moi là dedans, c'est le fait que pour une fois gagner une grosse partie de la population que la question du budget t'est intéressé et il fait débat même dans tout petit quartier en budget et ça c'est fondamental dans ce sondage qui très important pour pays pour santé démocratie et à l'avenir si vous n'êtes qu'à continuer intéressé avec budget comme ça, ça va permettre que votre budget aille plus dans le sens intérêt et non dans le sens intérêt de groupe de politique et ou même de parlementaires en particulier qui plus et par le passé aimait profiter de la vie du fait que il y a un désintéressement ça et au niveau de la population qui était jeune plus publicité mais le fait que la population parlait autant de budget pas veut dire que tout le monde qui t'a parlé de budget te comprend vraiment implication et budget parce que il faut dire qu'il y a une propagande qui était faite autour de ou ensemble de aspect dans le budget qui n'est pas forcément vrai, tout ça yo, fait que tu as gagné un levé de bouclier qui fait dans la société. On dit pas dans les deux sens. Dans les deux sens, certainement. Oui, absolument. Alors, l'autre élément, puisque faut commencer avec Olivier Messieurs, c'est Ouragan Irma qui a annoncé pour septembre. Et là, par rapport à ça, il m'a été fait dans la zone et surtout dans les Antilles, mais tu as gagné un pile de mobilisation qui est faite. Était assuré que des diminuer des limiter les gars
Là, mon côté la présidence, mon côté la primature, protection civile, t'es en brel, n'est-ce pas vrai, Koudiokoun, t'es activé, et bien, tout le monde, t'es, au niveau de la télévision nationale, là, ici, tout est bon ensemble de dispositions qui prend, qui te permettent que la population ait été informée sur l'IMA. Dieu merci, il m'a passé loin de nous, il m'a pas fait dégâts et il était prévoyant, par contre. Pas de gens qui c'est vrai, dans le moment de conférence de presse, j'ai été parlé de disparu, puisque vous avez deux liens sous lui, mais dans l'ensemble, Haïti n'a pas fait les frais avec Yoba qui était passé dans pile côté des gars qui étaient considérables. Justement, les séquelles de Mathieu étaient encore vivantes dans tous les esprits. Mm-hmm. Donc, vint dans Yoba pratiquement de même catégorie que Mathieu encore, et tout le monde t'a posé la question qui vient Haïti pour relever en bas l'épisode de Pipi Ladani seulement, et c'est mené en tête. Donc, je pense que justement, menace cyclone, ça, c'est un bagage qui est là jusqu'à ce que le pays ne soit pas existé encore. Donc, c'est nous-mêmes qui pour créer, nous avons dit, et infrastructures nécessaires, et réhabiliter l'environnement, mettre, nous avons dit, sensibiliser nous autour de questions de réchauffement climatique, la journée aujourd'hui, là, qui sont menaces, qui viennent faire que récurrence qui gagne dans le cyclone, nous, et le cyclone, nous, tout, nous, beaucoup plus puissant. Que j'avais dit qu'on n'y est pas au lieu passé. Moi, je pense que tout travail, ça va être fait, travail de sensibilisation, de construction d'infrastructures et même de réhabilitation d'environnement, et bien, il faut que nous fassions pour nous préparer les cycles qui ont passé dans le pays. Et bien, pour tout le monde entrer dans l'abri, côté qui fait tout ça, ou bien être la caillou, et permettre que, à Dieu qui est cassé, je nous dis, les gens présents dans la dans le discours là, et bien, les petits bouts de l'eau tombent sur le pays, c'est content pour nous, content, c'est pas et mettre en tête, c'est pas crier, c'est pas deuil qui nous vient en pays. En tout cas, maman, tu es très clément avec nous pendant la période de cyclone, là, pas vraiment gagné gros problème. Après, il m'a été peur aussi, mais on s'était passé loin, pays d'Haïti. L'autre précision pour moi, septembre, là, c'était forum sur compétitivité, là, n'est-ce pas, ensemble de membres du secteur privé des affaires là, qui rencontrer sous vos patronages de la présidence là, pour discuter sur qui sont capables d'attirer l'attention sur une nécessité pour que gagner des investissements d'une fête, puisque de toute manière, si nous développons le pays, ça, pas une route à boire, il faut que je se crée même. Bon, c'est du sérum pour l'économie. L'organisation genre d'événements ça qui fait, mais il n'y a pas l'autre vertu que. Bah plus motivation à moun qui intéressé faire business, moun qui dans les affaires, pour yo capable et ouais dans quel secteur yo bien plus intérêt faire investissement et qui en bout de ligne pral gagner et des effets positifs sur l'économie. Donc des forums comme ça yo mérite fait plus souvent et forum ça rappelé moins et un forum qui était fait et ça y a environ 2 ans dans le pays. Donc, c'était toujours une initiative sans facilitation des investissements. Mais le pays a connu d'autres événements du même genre, côté qu'on vient non seulement investisseurs haïtiens, mais d'autres investisseurs étrangers qui sont venus pour explorer l'opportunité d'affaires qui vient dans le pays. Et ce n'est pas ça qui manque. Et l'on regarde presque dans tout département du pays, il y a un moyen pour que le monde fasse business. Et pour rentrer l'argent et du coup changer la situation économique. Mais la première, c'est après la discussion, ça, c'est qui ça est suivi et qui ça est la prochaine étape là d'ouvrir. Parce que vous, on a toujours discuté, mais et là, l'investissement n'est pas fini. On a toujours discuté et puis qu'il ne cherche pas à créer. Et puis, nous sommes saniers, nous sommes saniers. Dans ce sens, c'est une commission qui a été créée justement pour l'implémentation. Donc, on a dit un document qui a été produit en dedans pour l'homme. Moi-même, je n'ai pas besoin de deux bagages que je me retenu. C'est surtout ce qu'on appelle la mise à l'échelle des entreprises. Que il y a deux conférences internationales et puis c'est professeurs d'université qui est dans la question compétitivité et investissement tout, qui est très avancé. Mais monsieur a été exposé, a montré que l'économie n'est pas foutue de développer si nous ne mettons pas les jeunes dire entreprises à l'échelle. Et l'autre élément fondamental qui est soulevé dans le forum, ça, c'est la question du salaire. Et Nelly toujours à avancer comme argument que ça qui fait nous compétitifs, c'est parce que nous avons un salaire qui pas élevé. Et j'aime vous dire salaire et de base là pas élevé. Et conférencier international montre ça par A plus B que bien payé, au contraire,
li aide à compétitivité parce que vous avez plus productivité en l'entreprise. Donc nous avons un paramètre qui nous fait que l'entreprise n'est pas compétitive et l'économie en tout n'est pas compétitive. Et Gampi, l'économiste analytique, toujours a dit ça. C'est bien dommage qu'il a fallu que ce sont des conférenciers internationaux qui deviennent dire ça. Et notamment sur la question du salaire minimum, nous connaissons à chaque fois que Conseil supérieur des salaires a obligé augmenter le salaire, là, patron mettre dans la tête et puis ouvrier obligé dans la rue à manifester. Donc, quelque part, harmonisation entre rapport employé et patron, je pense que la question du salaire n'a pas supposé un problème qui peut empêcher que nous gagnions harmonisation. Ça, j'ai en conférence qui fait quoi ça. Alors, s'il vous plaît, quelques secondes. S'il vous plaît, rapidement, alors, il faut reconnaître que la question salaire, et ce n'est pas toujours le meilleur moyen pour améliorer la situation du monde. Parce que vous parlez plutôt, Gontès qui parlait plutôt de ça, un système de compensation. Compensation hein, qui implique à la fois salaire, mais à la fois d'autres avantages, meilleures conditions pour permettre que les citoyens aient un meilleur cadre qui favorise l'épanouissement. Donc, ça, son débat qui est comme ça. Parfait. Quand on parle de salaire, pas oublier tout, année ça, tout, que son salaire minimum a été retourné dans le débat, puis le mouvement est fait d'un côté syndicat ouvrier par rapport à l'augmentation ou pas. Et finalement, ça va être une certaine augmentation, même si en plus la syndicalisation pas d'accord avec la quantité qui était barrière, je crois que en 2018 ça doit gagner et j'ai fort pour le salaire minimum non, à la hausse. Alors moi je pense que c'est une peut-être côté gouvernement Anissa a créé plus de frustration quand le monde travaille dans le pays. Et donc il y a qui passé pendant l'année. Mais c'est peut-être une situation côté Yoteka et à mon humble avis, réagir autrement et permettre que, je ne dis pas tout à l'heure, harmonisation qui vient entre patrons avec les ouvriers pour produire et richesse dans le pays, mais il est capable. Et le fait que frustration ça vient créer, ou vient toujours une situation de tension dans l'entreprise, et à n'importe quel moment, n'importe quelle étincelle, j'en ai même dit, capable de mettre du fait, et toujours bien réagit par rapport justement avec insatisfaction chronique ça qui gagne la caille ouvrier et surtout la caille et même patron malgré que ça paye à ouvrier dit que pas d'accord avec mais patron qui est satisfait parce que vous pensez que vous payez trop. Parfait. Donc Napton pour voir qui gens et l'État et Conseil supérieur de salaire là il vient de poser le problème. La prochaine mois septembre avec participation président Jovenel Moïse dans l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était première participation nous comme chef d'État et là dans l'intervention de fait corruption. Alors nous avons ce discours ou discours était combien à temps que nous? Bon, son discours en plus mon estimé qui était bien articulé et qui était bien axé avec des points qui très clairs et là dans les me songer que le président sous tribune Nations Unies était parlé à la fois de nécessité pour que l'ONU assume pleinement responsabilité pour dégâts que et notamment quand j'en ai parlé à causé dans le pays à, avec son choléra et qui la cause en pile famille et victime et de problèmes ça et qui du coup a une conséquence sur l'économie autour. Il était parlé dans le discours hein, de nécessité pour et que le pays a une armée et ça qui prend le fait. Et après, donc, c'est en cohérence par rapport à son discours. Et l'armée, nous connaît qui récemment remobilisé le 18 novembre, nous avons suivi parade et unité dans la force. Donc, il y a l'armée qui est au service de la nation avec des composantes spécifiques, des unités spécifiques. Il était parlé dans le discours à tout de nécessité pour que des pays qui font partie du Conseil des Nations et gagne une meilleure attitude vis-à-vis de nos pays tant que Taïwan par exemple. Et pas oublier que Taïwan c'est un allié important pour le pays d'Haïti et par rapport à la Chine continentale qui lui-même non seulement fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies mais qui sont géants et bien opposition concernant ce qui des Nations Unies lui témoigner de non seulement cohérence mais lui témoigner de on sort de c'est un engagement et c'est un continuité mais avec seule nuance c'est que et dans récemment dans l'histoire de ce pays là pas vraiment me pas rappeler un chef d'État qui était aussi clair
dans le discours sur le tribunal national qui réclamait la reconnaissance de Taïwan en tant qu'État. Donc, je ne peux pas songer qu'il y ait un chef d'État qui était fait, même si nous connaît une tradition pays, eh bien, nous toujours gagnons une politique qui plus aller en faveur de Taïwan. D'ailleurs, que nous gagnons une relation diplomatique avec lui par rapport à la Chine continentale. Donc, c'est des aspects, des séquences d'un discours que nous songeons et qui étaient très percutants. Et dans le moment que le président te prend la parole sur le tribunal national. On va se nommer, mes amis, nous allons quoi aller là dans le mois d'octobre 2017 pour regarder quelques faits qui méritent d'attirer l'attention. Mois d'octobre, ministère, eh bien, c'est fini, puisque M. Olivier Lambouclé est déclaré par bien l'autre renouvellement. Ministère qui quitte place là. Pour minuit juste, après le monde te croit que c'est nécessaire pour que l'installer, même si le monde te croit tout, il n'est pas nécessaire pour l'autre mission encore. Mais au fait, le Conseil de sécurité a estimé l'opportun, l'autorité du gouvernement et mettez d'accord que le Conseil de sécurité a sur l'information disponible, mais c'est ça. Mais au fait, l'installer, monsieur, qui était choléra et Lionel, et les gars, la question choléra, les violences considérables, qui était tout ensemble de famille, de Timoun, n'est-ce pas, avec des Timoun nommés. Là encore, c'est son point qui dérange, même si tout le monde croit que, bon, le ministère, il y a une question de dénigraliser l'élection, il y a un côté accompagnement, il y a une question de sécurité. Monsieur, est-ce qu'il y a une question de perception, ou pas qu'à négliger, vous assurez, pendant le passé? Oui, quelque part, le ministère permet que bien ça n'a relé en alternance pour être sous pouvoir, vu que l'alternance va être faite dans les meilleures conditions, et le capable de dire tout pendant la présence du ministère dans le pays, il n'y a pas de guerre pour l'État. C'est peut-être un élément. Et sur lequel nous sommes capables de ministère un bon point. Mais mis à part ça, les n'a pas gardé l'ministère lui-même en termes de définition de sigle comme une mission des Nations Unies pour stabilité en Haïti, nous sommes capables toujours de remettre en question et nous sommes capables de dire et mission ça. Est-ce qu'elle est nécessaire finalement pour cette mission militaire de l'idée? Et l'autre bagage qui est fondamental, est-ce que le ministère arrive à stabiliser le pays, ça vrai, Jean que ça crise sous crise, quelque part, stabilité a toujours ébranlé. Nous-mêmes, Rivé, pour ça, nous avons pouvoir de transition pendant la période du ministère avec Jocelyne Guiver, qui prouvait quelque part la stabilité encore, Jean Mounio dit, là, du pack Rivé, et pendant l'intervalle ministère, là, mais toujours en réalité. Et en plus, sur la question sécurité, l'aspect sécuritaire, et là, son beau casse-tête. Et toute la vie, nous avons dit que depuis que nous sommes citoyens avec Durkheim, nous avons toujours des crimes là-dedans. Mais cependant, nous voyons à chaque période, côté mandat ministère de renouveler, et Jean pile monde fait constat, et toujours une augmentation de la violence et de la criminalité à travers le pays et notamment à travers la capitale Port-au-Prince. Donc, c'est des éléments qui montrent à clair que la mission de la ministère n'a pas été une franche réussite. Et en plus, que choléra qui vient produit dans l'espace, dans le paysage haïtien, qui fait des dégâts terribles avec plus de 500 000 personnes qui atteignent plus de 10 000 morts et jusqu'à présent qui pas jamais joint de dommagement malgré le capable affirmation sur la président de la République, la journal Moïse fait sur le tribunal l'ONU pendant le mois de septembre pour demander réparation pour l'ONU et malgré lutte en pile acteur dans ce civil là et qui a boumé et pour demander que le ministère prenne responsabilité et dédommager Mounio et permettre tout que bien ça n'a rien éradication choléra sur le territoire national là, eh bien, nous sommes capables de dire que la question du ministère et l'a gardé dans l'ensemble parce que sa ministère t'a porté et ça t'a quitté, eh bien, l'a fait balancer, même à mon humble avis, c'était une mission qui n'avait pas lieu d'être et sur le territoire national là, d'autant que son mission militaire encore non contexte côté Haïti carrément et pas bien l'armée était démobilisée et voilà que nous t'es venu imposer nous sans que nous pas en période de guerre, nous pas de guerre avec personne, ni guerre civile, ni guerre. Monsieur Takazou, c'est nous responsables qui venons, puisque c'est en train de nous pas entendre. Oui, quelque part, mais l'ONU pas oublié. L'ONU a mis sur les protections envers toute nation. Et ça fait une claire sur lui. Et si l'ONU voulait faire une intervention dans le pays, il faut regarder l'intervention là, dans qui sens la permettre que nous grandissons, non seulement démocratiquement, parce que la démocratie, c'est une motive qui mène le discours de l'ONU, mais tout qui est là pour nous développer et permettre nous améliorer les conditions de la population. Il y a plusieurs présidents qui succédaient pendant la période des ministères qui étaient toujours demandés, soit pour transformer
et chabé guerre en tracteur pour ba nous aide au développement plutôt, mais nous constater que pendant longtemps l'ONU maintenu ministère qui sont sandarelé en force militaire dans pays au lieu que nous ba nous aide au développement jacques et situation nous et situation de pauvreté nous de précarité population qui t'a demandé ça. Donc nous pas vraiment rendre nous compte de impact ministère et notamment sur la question du développement et la question d'amélioration des conditions matérielles d'existence de la population. Parfait, et nous avons passé rapidement sur l'élément ça, et grève dans le niveau à Paris aussi ça, et pendant une période ça, et mois septembre, octobre, et greffier au cap demandé des meilleures conditions de travail, et commis par qui tout qui est entré dans la question, ça te fait justice à l'autre, tu souffres en pile. Et là, tu as le bon entente entre ministère de justice et association Sayo, et finalement, pour le bien de la justice, pour le bien de la justice Sayo, activité d'après le reprendre dans la juridiction. Bon, c'est le mouvement Sayo, c'est ça des symptômes de un système, si on ne peut pas dire qui est en faillite, mais qui est en faiblesse. Parce que l'appareil judiciaire, là, il connaît, même genre avec de l'autre corps dans l'État, des moments, tantôt c'est grève greffier, tantôt c'est grève magistrat, tantôt c'est colère de juge, de magistrat par rapport à un discours, bien on prend un discours, un bâtonnier. Tantôt c'est de l'autre et problème. Donc il y a toute qualité de problème qui en dans le système là, qui fait que ou qu'a dit que son système qui en faiblesse. Maintenant pour qui ça et système judiciaire là, qui en faiblesse, li rive côté lié jodia. Il y a plusieurs raisons qu'on a considéré. Et dépendamment du moment, on a dit que son la justice, on parlait de la justice, on parlait du pouvoir dans l'État. L'État qui vient trois pouvoirs là-dedans, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Donc, ce n'est pas parce que il est considéré comme troisième pouvoir que c'est lui-même qui est plus faible, mais c'est fonctionnement qui fait comme ça. Malgré l'effort qu'il fait pour que nous renforcer judiciaire en tant que pouvoir. Et pendant 10 dernières années, ça y est, avec deux lois qui fait pour soit réformer le système là, ou bien pour bailler de meilleures considérations à monde qui a fonctionné dans le système là. Mais on sentit que il y a deux problèmes qui toujours été persistants. Citoyens, hein, je vous dis, même gens avec 10 ans avant, pas quoi dans le système judiciaire là. Mais pas quoi que si et il y a un litige avec un autre monde qui a plus moyen passé là devant un juge, et bien c'est le mot du droit qui va triompher. Et il y a un maxime qui est utilisé en pile, mais en pile fois en Haïti, on utilise lui, ou bien il y a deux actions qui font penser avec lui, pour dire que, et bien dépendamment de côté sorti, de qui moyen on gagne, et bien jugement de cour. Eh bien, c'est comme ça qu'on va le traiter. On va le rendre noir ou blanc en fonction de la situation. Ok? Donc, et ça, c'est dans les animaux malades de la peste, c'est quoi? Jean de la Fontaine. Et Jean de la Fontaine. Et suivant que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc, son justice qu'on s'accroche, mais pendant que l'idée, déjà, il y a un problème, ça, de déficit, de confiance ou de crédibilité, j'en voulais de la part des citoyens, mais justice, ça a lié ensemble de revendications. Est-ce que ces revendications que le gain, insatisfaction, que le monde qui est dans le gain, qui fait que les bancales, que le pas de résultat, ça a bah, on est. Mais en tout cas, chaque fois que le problème revient sur le tapis, revendications évoquées, il y a des tentatives qui fait pour porter solution, par exemple, grève, greffier fait grève, et ministère de justice rencontre yo, l'autre monde, par exemple, président de la commission de justice en Sénat rencontre yo pour essayer de comment yo cap porter résultat. Le c'est pas greffier, c'est l'association magistrat qui fait grève, ou bien qui dure camper, yo pas pour commencer pas avant telle date. Donc tout ça, c'est un ensemble de manifestations d'un système qui va marcher et qui va où sur rien là comme rien. On souhaite, dans le cadre d'État du niveau sectoriel, le problème ça va le poser pour que finalement la justice renforcée et qui est capable de jouer rôle comme ça doit. On a parlé, pour nous parler trop de temps pour nous passer ensemble, déjà il y a un mois d'octobre, il a arrêté 2 mois et prochain mois c'est novembre. Ah.
Monsieur, on va aller vite puisque là, nous avons presque fini. Et novembre 2017, et on n'est pas capable de parler de novembre, nous ne sommes pas souligné 10 novembre. 10 novembre, bataille de Thiers, dernier bataille qui va mener à la proclamation indépendance pays le 1er janvier 1804. Et là, 10 novembre, le président de l'UQAP a annoncé qu'il était prêt à rendez-vous à pays pour te remobiliser les forces armées d'Haïti. Ça que tu as fait, et tu as vu bien dire sur TNH, depuis deuxième ville PIA, hein, Cap Haïtien, avec force armée remobilisée, et Jovenel Lesage choisi comme lieutenant général, et c'est lui-même de mission pour former, haut état-major là, la bien pour l'alpoter, le Sénat va bien pour sanctionner les choix, certainement, les gens savent pouvoir, pour que là, eh bien, et remobilisation est livrée, et parmi les tout, gagnant, le quartier général là, côté ministre, c'est qu'il se trouve dans le moment de parler là, qui lui-même pral loger, hein, force armée pays haïtien, et déjà des visites qui faites pour assurer que, avant longtemps, eh bien, c'est local ça qui loger force armée pays d'Haïti. Pour mobilisation de l'armée, j'ai même dit quoi que faut que tu aies une discussion, faut que tu aies un consensus, le président clair que faut que l'armée a là, il va mobiliser le 10 novembre 2017. Moi, c'est d'abord par cette décision. Par cette décision de remobiliser l'armée d'Haïti, ben, le chef de l'État n'a fait que réconcilier l'âme de la nation avec l'esprit d'ouverture. Parce que pas oublier, le n'a pas parlé de l'armée d'Haïti, bon, histoire, qui côté l'armée d'Haïti sorti, eh ben, c'est, on est capable de dire, bataille d'ouverture qui pral souvler, qui pral symboliser étape phare dans l'existence armée ça, ou armée de vanupier qui était goumé pour l'indépendance de Haïti que nous avons aujourd'hui qui sont république. Donc c'est un ensemble de monde qui était un bâton dans mes machette dans mes deux trois rats là dedans qui était un âme qui était sorti dans l'Occident et mais qui goumé contre l'armée qui était puissante dans l'époque là qui était l'armée napoléonienne et bien il a défait l'armée ça qui était un gros moyen. Et ils ont défait lui pour nous indépendance. Donc, l'armée d'Haïti, c'est de là que le parti. Maintenant, on l'armée pour qui ça? Eh bien, un pays pas capable d'exister, un pays qui dit de ce nom pas capable d'exister sans on l'armée. L'armée, on est capable de dire, c'est l'institution forte qui. C'est un symbole important. Nous avons parlé tout à l'heure de symbole de la République, mais l'armée, c'est un symbole fort. Donc, souvent l'armée, eh bien, certainement, l'armée qui, bien sûr, n'est pas capable de gagner l'autre objectif que ça, pays a gagné, nous pensons que ça voulait dire qui côté où voulait aller. Je dis à nous, on chef d'État qui dit que livrer en l'armée pour un, deux, trois. D'abord, il parlait de différentes unités, unités médicales, unité de protection de secours hein, qui là pour répondre dans période de catastrophe qui pour jouer un rôle de protection civile et il parlait de une unité d'aviation en tout cas li, pour le moment il limité à ces trois unités pour reconstituer l'armée. Donc le 18 novembre 2017 mais ça fait bailler frisson à ensemble des citoyens moi me ouais avec téléphone dans main cap fait photo parce que il y a pour revivre en tranche d'histoire qui était capable dire échapper à un bon monde. On pas parler d'une génération parce que ça va faire longtemps que l'armée d'Haïti c'est 1994 2017 donc ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que non, ça fait 23 ans. 23 ans. Ça fait 23 ans que nous pas de gain. Bon, c'est presque en génération. Mais, et de monde qui pas de gain occasion, ouais, et on l'armée qui a défilé, il y a une possibilité pour revivre au moment comme ça. Moi, je pense que c'est très fort. Lui montrer que Haïtien, lui était accroché à un ensemble de symboles et l'armée a essayé. Lionel, l'armée est mobilisée, malgré tes gagnés par Olympique, malgré le secteur qui est fort, en discussion largement large. Le chef d'État est prend décision. Alors, le chef d'État est possédé d'une façon habituelle que d'autres chefs d'État avant habitués possédés, c'est le fait accompli. Il met tout le monde le fait accompli à maintenant et on va en discuter. Ce qui est sûr, c'est que le débat sur l'armée n'est pas fini. Et ça, le mettre tout le monde parce que nous, pas qu'à Jean, mais on est à dire là, tout, c'est on prend de l'histoire qui vient, faut quelque part que vous détirez là, mettre dehors. Mais quelque part, faut que nous parlions et tout. Rapport, l'armée avec la population, hein. Rapport, ça, c'est toujours un rapport de méfiance lié par rapport avec vécu.
Donc, qu'on veut ou pas veut, nous débattera encore là. Et il faut que toute force vive nation discute justement sur l'orientation de l'armée. Parce que créons l'armée, nous parlons de rien si l'armée ça pas rentré dans un projet global de société. Pour dire nous sommes la morale là, et l'armée a mis une mission dans la trajectoire ça que nous débattons pays. Jusqu'à présent, ce projet global de société n'existe pas. Et comme il n'y a pas existé, ça veut dire tout que la meilleure pour une trajectoire en dedans pour le projet global de société. Et nous-mêmes, ça nous souhaite, c'est que les forces vives de la nation, les trois pouvoirs de l'État, la société civile et les autres forces organisées du pays, et mais qu'ils mettent ensemble pour regarder qui côté ouvrir aller à pays et qui voit ouvrir le bail la meilleure dans le côté ouvrir même aller avec le pays. C'est en novembre, vous faites dernière prolongation au CPS là. Après, ça n'a pas de prolongation encore. J'ai l'administration de plan et décidé bien, tout le monde croise des sites. Il te joigne, n'est-ce pas, vrai, en titan, pour que Frère Nouyo, qui a vu les États-Unis, pas dans une situation difficile. Finalement, là, nous avons un bon temps, mais c'est un temps qui peut permettre que Mounio, eh bien, légalisé sur le territoire américain, même s'il y a une bataille qui a mené pour permettre que le Congrès américain tranche sur la question ça, pour que ça, pour travailler en résidence, on dit. Oui, que nous, en matière d'immigration, là, on a sorti à et politique intérieure. Et dans l'immigration, l'État est souverain. Il décide et j'enlever, même si il y a une décision qui prend et sur le plan interne, qui certainement a des conséquences au niveau externe. C'est le cas d'Haïti, c'est le cas du Nicaragua, c'est le cas de l'ensemble de l'autre pays dans l'Amérique centrale et dans l'Amérique du Sud, qui a des ressortissants qui vivent dans un pays qui est les États-Unis aujourd'hui, qui c'est le grand voisin. Tout le monde, après le chercher, et on mieux être la Kaili, c'est l'Eldorado, c'est le pays rêvé. Nous avons tout au début, nous avons parlé de question quantité haïtien qui a quitté Haïti pour aller au Chili, pour aller au Brésil, qui pourra le chercher une meilleure façon pour vivre. Donc, et États-Unis, question de CPS, c'était un mode opératoire pour la présidence américaine qui a commencé avec Barack Obama, qui vient continuer sous Donald Trump, pour te bailler un statut à un ensemble de monde qui 19, pas bien renouvellement, mais ça bail tout possibilité à Mounsayo pour chercher de l'autre moyen, parce qu'il y a des leviers que on a toujours utilisé pour régulariser la situation et ne se que c'est ça fait. Quelques secondes, rapport Petro-Caribé, c'était novembre, c'est à ce qui te prévoit pour que mettez rapport en discussion à Paris et fait, monsieur et dame sénateur, plus là dedans pas dans le CSA, finalement, il y a plus de discussion faite, rapport à ce qui te remou. Moun qui a des rapport intervenu, puis là nous voulons jeter ça ou accuser roi, mais au final, jusqu'à présent, Sénat, pour dire nous parle sous document et sénateur Beauplan est déposé. Alors, il y a un élément à souligner et qui est fondamental dans le cadre du rapport de Caribe. Il faut admettre que dès le départ, c'est un rapport politique parce que j'en ai toujours dit en bas dans le Parlement, et que ce soit le Sénat ou de la Chambre des députés, et c'est des assemblées politiques. Éminemment politiques. Justement, si l'Assemblée est éminemment politique, donc son rapport, j'ai comblé que je fous ou sage, eh bien, c'est un rapport politique. Mais maintenant, même ça, je ne m'en souhaite que les gens instrumentalisent la question Petro-Caribe, alors que son dossier qui concerne et particulièrement toute la nation haïtienne, donc pour faire nous perdre du crédit en dans le dossier ça et possibilité tout pour nous rapatrier des fonds si on était mal dépensé en dans Petro-Caribe et par rapport avec un rapport qui baille et rapport là lui-même qui t'a baille dans le sens où il a servi intérêt quelques grands individus, soit qui a projeté en 2022 comme candidat à la présidence, ou bien qui joue les jours d'hier là, après plus d'un avant parce qu'il voulait conserver position. Ou bien marchander avec moun qui éventuellement a gagné l'argent Petro-Caribe dans le pour qui j'ai un apprentissage là-dedans. Donc, moi, je souhaite que bon enquête judiciaire mène là. Et une bagaille, comme on a parlé tout à l'heure du pouvoir judiciaire, là, qui c'est peut-être le pouvoir le plus ignoré et le plus mal compris qui gagne dans trois pouvoirs d'État. Moi, je pense que la justice là, si coup des comptes, effectivement, ils font bon travail d'audit pour le dire, mais qui j'ai l'argent qui était dépensé, UCREF, ULCC, levier ça, tout actif. Mais là, ça, nous capable de permettre que la population voit une autre façon, nous capable, j'en vous dis, à redorer blason, parce que quelque part, il y a permettre que la République lui-même lui survive à scandale total, ça, qui c'est question Petro-Caribe et que nous devons faire. Et même les gens qui concernent les tout, ils pensent que le café est ouais, même ça, ils disent qu'ils ne pas les faire, mais quand même, le café est ouais, dans une façon de dépenser l'argent, et mais que vérité à lui-même, ils blaillent, ils font pour tout. Mois décembre 2017, c'est le dernier mois pour Anéa, et c'est avec moi, ça, tout le monde, refermer au vu d'Anéa.
Sam, nous allons vite avec la tournée européenne. Le président républicain, Jovenel Moïse, fait. Le président Moïse qui était venu à Paris, qui était rencontré Tokayi Emmanuel Macron dans l'Élysée. Et là, il y a un rapport qui vient de la France à Haïti, qui sont coopération qui est abordée dans le cadre d'échange qui est gagné entre deux chefs d'État. Et parler de questions d'éducation, parler de nécessité tout pour que eh ben, les investissements qui font, ensemble, comme d'affaires français, sont capables d'investir en Haïti. Le président Jovenel Moïse, qui a été profité par sa vie pour rencontrer eh ben, l'association entrepreneurs français, d'ailleurs, il a été avec lui, ensemble, homme d'affaires haïtien, qui, avec l'association entrepreneurs français, a regardé qui est capable de joindre en termes de retombées pour le pays d'Haïti. Après, il y a une Belgique qui est allé dans quartier général de l'Union Européenne, rencontrer le représentant de l'Union Européenne, visiter tout dans le pays Belgique, eh bien, les sites liés à géofait traitement passage pendant le passage du président de la République là, Jovenel Moïse en Europe, dans le commencement mois décembre 2017 là, et vraiment 5-5, hein, j'apprécie à ça qu'a dit, puisque nous en Europe, et qui ça nous retenu de visiter ça rapidement, vraiment 5-5, hein, quelques secondes. Mis à part quelques imperfections qui sont gagnées, bon, qui fait des remous de l'actualité en Haïti, moi je pense que son visite est nécessaire, et ça permet tout de plus de contacts, ça permet que le président, ou même par rapport avec des gens, avec un changement, surtout la question électricité 24 que je vois parler de l'IA, et bien lui explorer de nouveaux champs, regarder qui gens, qui nouveaux techniques qui viennent dans ce domaine, d'ailleurs même première dame dans tout, qui garder dans le développement business surtout, et quand jeune et l'autre bois, et bien garder pour voir ce qui s'est fait en matière technique et technologique pour permettre que le business soit capable d'avancer et voir qui gens sont capables de répercuter en Haïti et permettre que les jeunes haïtiens bénéficient de lui. Donc c'est envie qui est nécessaire. Rencontrer tout avec Sandari, les diasporas ou bien les haïtiens qui vivent en France, l'autre bois pour qui gens sont capables d'inciter à investir en Haïti et mettre connaissance et compétences et au service du pays. Je pense que ce débat est fondamental dans tout projet de développement. Même Jean-Corée du Sud fait une époque. Et le Japon te fait, la Chine te fait, aujourd'hui, je veux dire, des résultats. Eh bien, inviter mon gars à vivre l'autre bord de ce petit pays, à venir investir, qui va être un bénéfice positif pour le pays. De l'autre événement qui était marqué mois décembre, c'est ACP, IE, fait en Haïti pour la première fois. C'était Caribé et Convention Center. Et puis, il y a eu la conférence, fédération, barreau international, et tout, qui était fait dans le pays pendant le mois décembre, deux gros événements internationaux qui réalisés en Haïti dans le finissement de l'année. Nous pourrons refermer avec route Bakan qui ouvrit la circulation. Et là, le président de la Jovenel Moïse, ensemble avec l'équipe Caravane Changement, yoté sur le terrain pour le lancement. On dit que l'ouvrir officiellement route là en circulation, qui a lancé travail dans le mois d'octobre et travail au niveau de la route en 22 décembre. C'est vrai que gagner l'autre travail qui a continué sur tout Capérin, mais pour travail bétonnage, il est arrivé dans la route. Là, on a niveau moins de Lévis, là, pour reste là, pour reste conscient, c'est asphalte qui prend le mété selon ça, ministère de Travaux publics, transport à communication. Connaît déjà, c'est quand même un élément à souligner en termes de réalisation hein, pour Caravane Changement dans le sud. Effectivement, Serge, nous avons été mentionné tout à l'heure, les disparités qui viennent en deux groupes de la population et qui vivent dans le même espace là, nous pensons que le type de travail va permettre que vous combattez les disparités et permettre que vous dans le groupe, vous avez gardé l'autre manger et permettre que. Je nous dis que gagner activité économique tout, dans zone là parce que les zones ça en bacan par contre bien nous dire là moi même on a là et son zone et l'autre des la pluie tombée mais la ravine envahie nous nous c'est dans l'eau c'est les pieds dans l'eau qui ont circulé et avec travail ça et surtout travail de réparation de berges et de curage qui fait dans la ravine du sud là je pense que ça permet que mon en bacan ralentisse et si travail ça a été répercuté à travers pays à une série de zones côté nous vraiment isolés et à vivre dans des conditions vraiment terribles, je pense que ça peut améliorer non seulement les conditions de vie mondiale, mais également le cadre de vie mondiale qui est fondamental dans tout projet de développement durable. Alors, là, pour refermer avec les grands disparus de 2017, vraiment, c'est une année qui est un petit cruel, parce que j'ai plus de monde qui est allé, c'est dans tout le secteur. Jean-Claude Fiolet,
Hein, que nous connaît, que nous lit d'ailleurs, professeur Jacques-Claude Pierre, c'est professeur de la faculté de sciences humaines, professeur d'ailleurs, professeur dans les mystiques appliquées, docteur DLP qui nous parlait de lui, Viviane Gauthier, icône de la danse, Herbinide Maillère, fondateur radio Métropole, Jean Sorel, Michel Diver, Thierry Garbert, Romba Bancou, président René Préval, et nous capables de citer tout, et Boulot Valcourt. Le musicien, le Valcourt qui marquait tant, qui marquait dans la culture haïtienne, Mano Chalma et puis pour nous là, Papa Pierre, sur les séries sous télévision nationale d'Haïti, nous pas oublier professeur Carillon, ancien directeur général de la police Pierre Denise, qui était nous tous pendant année ça, Julio Jean-Pierre, ancien employé TNF, qui était écrivain. Julio Jean-Pierre, en direction éducative et culturelle. Au niveau télévision, tout à l'heure, nous perdu Papine Employé, Lestie Vassile, journaliste en salle de nouvelles-là, Marie-Evine Albert, journaliste en salle de nouvelles-là, Duguet, qui était au niveau salle montage télévision. Maintenant, c'est l'occasion enfin, encore pour nous présenter tout ce patino à la famille Mounsaïe, qui a perdu proche pendant l'année 2017. Là-dessus. On va parler de Mano Chalmay. Oui, vas-y, Mano Chalmay, parlez de lui. Ah, merci, Mano Chalmay. Alors, Mano, on connaît, c'est la voix de la révolte, la voix de la liberté, et c'est tout, ça nous a révélé en unité intergénérationnelle, parce que, et quel que soit le monde, quand on dit, depuis que c'est le monde qui a pour bien être nous, pour bien être là, pour nous, ça nous a révélé en projet collectif, et bien, la voix de Mano, quelque part, est guidée, non, c'est une réaction qu'on est composée, et n'a pas dit bon traverser à Mano, c'est peut-être une musicienne qui puisse marquer la jeunesse haïtienne, et surtout la jeunesse, ça nous a révélé, révolutionnaire si moi ou bien réformiste si nous utilisons l'expression comme ça. Grand ancien directeur général d'eau qui va dire la ville, qui mourit, classe de Wai, et il était dirigé Fares, on fait ça, et puis Joe Damas, ancien directeur général de télévision nationale de l'Haïti, on dit voix très prisée sur la métropole, alors Joe Damas, et puis qui tenait tout, malheureusement, pendant l'année 2017 là, et Golaïl, j'entends tout. Oui, bon, c'est un militant qui connaît, qui marque un pire moment dans l'histoire de son pays. Jean Tatoune, moi, je me demande, la première fois que j'entendais parler de monsieur, c'était dans la bataille pour moi et Jean-Claude Duvalier aller. Et Jean Tatoune va continuer jusqu'à dernier moment, jusqu'à ce que je mourisse. Donc, c'était très présent et très impliqué dans tout mouvement qu'a fait et contre différents pouvoirs qui passaient dans le pays. Monsieur, nous voulons aller, vraiment, et nous sommes contents de partager ce moment-là avec les spectatrices et spectateurs de télévision nationale d'Haïti. Nous sommes tenus à retourner sur quelques affaires, quelques d'actualité, et puis d'aller aller plus loin que faire ça. Et j'ai dit dans l'introduction, ça permet de nous voir comment ça a été en 2017, et puis pour nous voir qui vient nous capables mieux aborder l'année 2018 là, et nous apporter solution appropriée ensemble problème que l'IA peut faire, et puis nous permettre que ensemble de secteurs, chacun de niveau par eux, jouer partition par nous dans l'idée pour être capable d'améliorer pourquoi pas conditions la vie de fraction aussi tout cela avec une situation difficile. Télévision nationale d'Haïti a toujours été bon côté nous. Télévision nationale d'Haïti pour engagement pour continuer à servir nous, partager information à travers diverses éditions de nouvelles nous et à travers l'autre émission direction générale, la direction programmation à bien près le côté en 2018 pour nous. Et là, ensemble de rendez-vous, on est déjà téléjournal du matin chaque 7h du matin. Journal mi-temps journée chaque midi, téléjournal là, chaque 7h à soir, et puis édition 10, chaque 10h, toujours là, et je me dis là, pas bien de l'autre. Rendez-vous pour nous surveiller en 2018 sur Télévision l'État. Monsieur, quelques secondes pour nous faire des vœux à la population et avant de nous refermer l'édition. Bon. Alors, ce qui est important, Abdi Mounio, et 2017 pas facile, mais nous bataillons là. Et bataille pour changer conditions là, une bataille pour changer et Philippe, il y a fait ou un pays en l'autre genre et à l'extérieur, et c'est nous-mêmes qui vous faire et pour nous faire là, c'est là pour nous faire. C'est vrai, conditions permettent qu'en pile, nous déplacer dans l'autre côté, mais pas oublier, la caille c'est la caille, n'a pas pour nous la caille, à la France à la recherche, de mettre connaissance à compétence au service du pays, permettre que le pays continue à vivre en dedans, regard l'autre monde à travers bon bagage que nous avons fait, l'autre monde nous, même Jean-Pierre, l'autre monde fait le recours à quelques listes pendant l'année, et quand nous sommes capables de dire l'autre monde qui représente valablement le pays, on continue la bataille pour Haïti capable de continuer à survivre et rester référence à symbole sacré pour l'humanité, parce que c'est là la liberté, la réhabilité comme valeur transcendante
de l'humanité. Donc, vive la liberté, en bataille pour liberté, la liberté tout bon en Haïti, pays de Paris. Bon, moi, un peu tiraillé entre deux courants de pensée sur cette question. Il y a une qui fait quoi que, bon, un monde qui n'a pas lutté, qui n'a pas gourmé pour ça, quoi, elle n'a pas mérité fait. Et il y a l'autre qui fait quoi que, et quelle que soit la situation, il n'est pas obligé de rester comme ça. La situation a changé, il a fait le genre, c'est travail pour le travail pour lui. Donc, moi, quoi que, et c'est pas seulement en 2017 que la situation était difficile. Mais c'est pendant toute existence en tant que monde ou fait pour vous-même pour changer situation chaque jour vous mettez chaque jour pour lever les yeux l'ouvrir ou fait pour vous-même pour sortir pour sortir. Donc dans ce sens ça moi souhaité haïtien toujours un courage pour vous-même pour lutter pour ça ouvrir toujours lutter tout pour que pays a et qu'on ait de meilleures situations parce que si pays a de manière globale de changer la plus bon pour nous tous. Parce que c'est la navire et avec esprit de Saline dans tout, que moi partager opinion Lionel là sur ça, Papa Nation, hein, pour que Haïti toujours été maman liberté. En pile santé, la paix pour le pays, pile prospérité, surtout en pile courage pour nous capables de passer un bon l'année 2018 avec Télévision Nationale d'Haïti, très certainement. Bonsoir tout le monde, à bientôt.